Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose des spaghettis aux boulettes de bœuf avec de la tomate. Alors pour cette recette, du sel et du poivre, je mettrai un petit peu de curry. Ensuite ici, eh bien j'ai 300 g de spaghettis. La particularité, c'est que je les fais tremper dans l'eau pour les ramollir un peu, comme ça j'ai pas à les casser quand je les mets dans la cuve du Cookéo. Là j'ai une cuillère à soupe de moutarde, j'ai 12 boulettes de bœuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'aurai besoin de 100 ml de vin blanc. Là, il nous faut de l'eau pour recouvrir les spaghettis, on compte à peu près 400 ml. Là, on mettra du concentré de tomate, on mettra 2 à 3 cuillères à café. Là, j'ai une boîte de tomates pelées et puis un cube de bouillon pour mettre dans la cuve. Eh bien, c'est parti pour la recette. Je vais me mettre en mode manuel, en mode doré. Je prends mon huile et je la verse dans la cuve. Allez, le préchauffage est terminé. Je vais pouvoir faire revenir mes boulettes de bœuf. Allez, je vais mettre un peu de curry. Je vais mettre un peu de poivre. Pour le sel, ben, je vois ça au moment de la dégustation. Je vais pouvoir ajouter mes spaghettis. Je vais ajouter mes tomates pelées. Je vais verser mon verre de vin blanc. Je vais pouvoir ajouter l'eau. Voilà. Là, je vais en rajouter un tout petit peu. Il faut que les spaghettis soient recouvertes. Émietter mon cube de bouillon de bœuf et je vais programmer ma cuisson. J'arrête la fonction dorée, je vais en cuisson sous pression, cuisson rapide, et là je vais programmer 4 minutes. Pourquoi 4 minutes? Et bien parce que ce sont des spaghettis 8 minutes, donc je divise le temps par 2. Je fais OK avec un départ immédiat. La cuisson est terminée, je vais ajouter mon concentré de tomate. Je vais mettre la petite boîte, carrément. Je vais ajouter ensuite la moutarde. On mélange tout ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à déguster cela chaud. Je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres recettes au Cookéo.